tout le monde. Bon, voilà. Je vous présente, je vous présente plus, mais bon, ça faisait un moment que je ne roulais plus avec. Voilà. Donc là, il est terminé. Voilà, je vous explique ce que j'ai fait dessus, quoi. Enfin, ce que j'ai changé. Ben voilà, quoi. Toute la partie moteur, j'en avais marre du 50 qui hurle à la mort. Et pipi. Il pisse. Donc j'ai trouvé un arrangement avec notre Ludovic Lafond national, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un moteur Poligny avec un cylindre préparé par un maire. Avec des cartes thermales aussi. Un ressort William Choulot, je crois. Le pot MR 70. Voilà. J'ai repris un plat cartouche européen. Voilà, depuis que j'ai récupéré. Bon, Ludo m'a fait quelques améliorations. Notamment le compteur qu'il avait grillé. C'est un compteur qui fait compte tour, il fait température. Il fait kilomètre heure aussi la vitesse. Voilà. On va l'allumer ici. Voilà. Voilà, 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 j'ai tout fignolé, vous savez que je suis un peu fatigué moi aussi. Voilà, j'ai mis du carbone, j'ai repris un peu les gaines, j'ai attaché les colliers comme il faut. Et surtout, voilà, j'ai changé le radiateur. J'ai changé le radiateur parce que bon, le petit radiateur qu'il y avait d'origine, le IFRA, là, le, je sais pas comment ça s'appelle, IFA, IFPRA, trop petit. Donc ça chauffe trop quoi. Bon, je vous dis honnêtement, j'ai pas essayé encore le cyclo. J'ai essayé un passant endure l'autre fois, mais bon, il manquait de l'eau, il a chauffé. Bon. J'ai pas beaucoup accéléré, mais bon, moi aujourd'hui ce que je recherche c'est plutôt le couple et la fiabilité, on va dire. La vitesse, je m'en fous. C'est pour ça que j'en avais marre de ne pas pouvoir faire des balades avec avec mon 103, quoi, parce que bon, mon 103 c'est mon bébé, c'est celui que j'ai eu en premier ici, de tous les cyclos que j'ai. Ça fait 15-16 ans que je l'ai maintenant, et que je l'ai ropé. Il a bien gardé sa peinture quand même. Quand j'ai acheté, il était tout d'origine. J'avais payé 250€, mort de rire. Et voilà quoi, donc le radiateur que j'ai remplacé, je me suis fait un peu chier à monter, mais bon, ça va. Oui, j'ai fait des petites pattes qui sont fixés sur le système d'origine quoi, voilà, que j'avais fabriqué. C'est un système d'origine que j'avais modifié qui vient me prendre là-dessus. Là, sur les pattes, là. Voilà. Et voilà, Christophe Mal aussi qui m'a prêté la poulie R2 parce que la VR86 ça hurle trop et ça patine. Et du coup, j'ai toujours pas essayé quoi. Voilà, 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 là il y a le capteur de vitesse. Pour le fameux compteur qui m'a mis à Ludo. Et voilà, je l'ai un peu nettoyé, enfin, voilà, je l'ai fignolé. Là, j'ai mis de la belle gaine rétractable pour que ça fasse propre. Voilà, voilà, quoi. J'ai rechargé la batterie, là, je viens de mettre le liquide dans le radiateur. La petite purge avec la tête de mort. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à essayer aujourd'hui. Bon, il a plu, elle te met des pierres de moulin, donc je n'ai pas pu là. Essayer la bête. Et voilà, je suis content. Voilà, comme je vous ai dit, je sais pas comment il marche cette chose. Mais bon, ça va bien marcher. Hein. Mais aujourd'hui, ce que je recherche, moi, c'est plus avec le freinage d'origine. Il va pas falloir que je m'amuse trop à faire le con, quoi. Voilà, les copains. Ben, j'espère que la prochaine balade, ça sera avec celui-là. Hein. Voilà, j'ai changé la plaque aussi. J'ai mis une plaque neuve parce que avec les vibrations, elle s'est barrée. Voilà, il est tout propre, il est tout beau. Là, j'ai pas encore monté les caches parce que bon, je vais l'essayer avant. Les caches, je les ai, ils sont là. Voilà, ces petits caches. Voilà, je les avais retaillés exprès pour le robinet, pour la pompe. Voilà, quoi. Voilà, les filles. Allez, bise. Ouais, je t'embrasse, gros. Tu m'as gonflé. Ouais, mais vraiment, là, tu vois, bise.